Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont aujourd'hui abdiqué de leur autorité. Il n'y a pas d'éducation sans autorité. Or, aujourd'hui, on considère les étudiants, les élèves comme des clients. Il ne faut pas leur faire lire des choses trop difficiles, ils suivront. Non, il faut leur faire lire des choses trop difficiles, c'est ça l'éducation. Il ne peut pas y avoir de rapport pédagogique s'il n'y a pas une autorité. L'autorité, ce n'est pas le gourdin, ce n'est pas la strap. L'autorité, c'est l'autorité qu'on, la bonne autorité, c'est l'autorité qu'on confère à quelqu'un qui en sait plus que nous, par le respect. L'éducation doit viser à créer des élèves qui vont pouvoir s'opposer au maître. Mais bon, ça prend de la culture pour ça. Il faut avoir lu, il faut avoir réfléchi. Et bon, alors, donc, au premier chef, cette mission-là appartient, à mon avis, aux enseignants, mais aussi, bien entendu, aux artistes.